Chers amis abonnés Motors, salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour cette finale de ce championnat automobilista de BMW M1 Procar organisé par la FFSA, la Fédération Française de Simulation de Course Automobile. Nous sommes ce soir pour cette finale du côté d'Estoril au Portugal. C'est là que va se décider ce championnat de M1 Procar qui nous a occupé durant une partie de cette fin d'année, depuis le mois de septembre en tout cas. Très heureux donc de vous retrouver, toujours et une nouvelle fois plutôt en compagnie de l'ami Tony qui est à mes côtés. Alors Tony, on va rentrer dans le vif du sujet assez vite puisque là on a la qualification qui est en cours. Pour expliquer pour ceux qui nous regardent en replay, hein, bien évidemment, initialement sur ce championnat on avait deux courses par soirée, deux courses d'une demi-heure chacune précédées d'une séance de qualification chacune elle aussi. Ce soir, pour cette finale, on a eu quelques petits soucis sur la première course de la soirée. Donc du coup, seule la deuxième va être comptabilisée. Tous les pilotes prennent part à la séance de qualification. Et en plus de ça, les points seront doublés. Donc, on va dire que moins de droits à l'erreur. Et surtout, peut-être pression maximale aussi pour les pilotes. Et salut Benji, salut à tous. Et oui, grosse pression sur les pilotes. Notamment pour Cédric Morange et David Lespèce, les deux prétendants, celui qui fera une erreur, et ben malheureusement, ce sera fini pour lui, quoi. Ouais, malheur au vaincu, on va dire un tout petit peu ainsi. Alors rapidement, pour ceux qui nous regardent sur le replay, le classement avant cette manche, donc il y avait 8 points d'écart à l'avantage de David Lespèce, 299 points, 291 points pour Cédric Morange, deuxième. Ayrton Barr est hors du coup pour le titre et il n'est pas là ce soir de toute façon, 228 points, 222 points pour Thibaut Martinet qui peut encore accrocher donc la troisième place sur le podium. Mais il n'a que 12 points d'avance sur Carlos Gilles, donc ça peut là aussi forcément peut-être bouger. Franck Lasse ensuite à 189 points, 152 points pour Flandre Lumière, Ardo Rousseau, 123, 121 pour Damien Genin, Gami Cupani à 104 points, devant Julien Lemoine à 102, Philippe Desvallées à 81 points, Benjamin Saget ensuite à 62 points, 42 points pour Simon Cussonnet, 34 pour Teddy Vigneux, 28 pour Marius Macabre, 28 aussi pour François Goual, David Cazertier à 24 points, Michael Thomas à 18 points, égalité avec Jérôme Priolo pour compléter le top 20, 12 points pour Laurent Demey et 3 points pour Sébastien Britz. Tel est le classement avant cette finale. Donc forcément, les caméras vont se braquer sur le duel entre David Lespèce et Cédric Morange. Avantage à David, plus 8 points à sa faveur. Donc pour l'instant, il a juste à peut-être faire une bonne course, assurer en étant devant Cédric Morange, mais ne pas se faire distancer non plus. C'est ça. David a juste à finir devant Cédric pour avoir le titre. Et sinon, faut que Cédric finisse devant David, mais avec quelques positions d'écart. C'est ça, puisque donc on rappelle les points donc vont être doublés pour cette course, cette seule course du coup comptabilisée ce soir sur cette finale. Pour l'instant, Cédric Morange à la pole position. 8 dixièmes devant le chrono de Franck Lassalle, David Lespèce 3ème temps, Carlos Gilles 4ème, Flandre Golmini 5, Julien Lemoine 6, puis ensuite on a Thibaut Martinet 7ème, puis après ça on a François Gourel, Philippe Delvalet, Arnaud Rousseau, pas encore de chrono pour Michael Thomas mais qui visiblement n'en fera pas sur cette séance, et Teddy Vigneux qui n'a pas non plus enregistré de chrono pour l'instant, il est en... c'est Thibaut Martinet pardon, qui n'a pas enregistré de chrono. Teddy Vigneux a le 7ème temps. Voilà, donc c'est parce que tous les deux commencent par un T à leur nom. Et ils sont tous les deux de la TRC. Donc du coup, c'est la petite confusion qui pouvait s'opérer. Donc. Cédric qui fait le spectacle à chaque virage, tout par les portes. Ouais, beaucoup en glisse. Hein. Alors ce circuit, justement, de Estoril. Que voici avec en plus le meilleur temps tour amélioré par Cédric Morange devant Thibaut Martinet à 84 millièmes. Ouais, 84 millièmes, l'écart est vraiment infime pour le coup sur les temps tour. Et pour répondre à une viscérale qui nous dit j'ai l'impression qu'elle vibre vachement dans le volant, déjà Estoril est un circuit qui est plutôt bosselé, et puis il faut le rappeler, la M1 est une voiture qui est sans assistance, qui de base devait être une voiture de rallye en groupe B et qui malheureusement suite au grave accident d'Henri Toivonen et son copilote italien, je n'ai plus son nom, le groupe B a été interdit, mais la voiture était déjà prête. Donc du coup BM s'est dit quoi?
On n'a plus de groupe B, c'est pas grave, on va mettre ta voiture sur circuit. On va réduire légèrement la puissance parce que sinon voilà. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé cette voiture sur les circuits. Ah, exactement, cette M1 Procar. Alors après, les effets de vibration sont un peu exagérés sur le mode spectateur d'Automobilista 2, un peu comme c'était le cas sur Project Cars 2 à l'époque aussi. Donc faut pas se leurrer non plus aussi de ce côté-là. Cette portion avec cette chicane donc qui a été enfin cette double épingle plutôt mise en place en 94 ici sur ce circuit. Circuit qui a accueilli la MotoGP, qui a accueilli la Formule 1 aussi à une époque. C'était le dernier circuit portugais à accueillir ces disciplines là avant que ce ne soit bien tout simplement le circuit de Portimao en Algarve qui prenne le relais. Et on salue Benjamin Sager sur le chat qui nous dit je suis sur la route, attendez-moi. Là ça va être un peu compliqué. On le salue notre cher Benjamin Sager qui n'a pas pu être présent pour cette finale puisque monsieur était du côté de l'Automobile Club de l'Ouest ce soir. Il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui ont de la chance, j'ai envie de vous dire. Sur de la RSD 53, hein, le club club dédié à Renault Sport dans le département de la Mayenne, dans le 53. La M1 qui reste une très très belle voiture quand même. Ah bah c'est futuriste pour l'époque, hein, faut-il le dire. Donc pour l'instant, Cédric Morange, Thibaut Martinet et... Oh, David L'Espèce. Oui, une 43-974. Grosse amélioration en effet pour David L'Espèce. Une 43-9, ouais. Eh ben oui, il est passé devant Cédric Morange. Donc du coup, dans ce duel pour le titre, eh ben, avantage à David pour l'instant. Encore plus, du coup, sur la grille. Et en plus, dans le dernier tour chrono. Hein. Ouais, bon, il y a encore possibilité de faire un tour, mais... Oui. Bon, pas sûr qu'il le termine, pour le coup. Donc, Cédric Morange est rentré au stand. Il n'améliorera plus. Thibaut Martinet n'améliorera plus. Franck Lassalle est toujours en tour. Florent Golmini aussi. Julien Lemoine et François Gourel sont toujours sur la piste aussi. Donc à voir, on va peut-être aller justement voir Franck Lassalle. Parce qu'en général, il est assez bon dans l'exercice des qualifications aussi. Et je vais rajouter, comme pour pas mal de voitures de l'époque et surtout sur les sportives, c'est une voiture qui a les feux escamotables également. Ah bah oui, bien sûr. À l'époque, c'était un peu dans les habitudes. Oh là là, oui, il envoie bien délester cette voiture-là. Il est à l'extérieur du dernier virage. Et pour Franck Lassalle, non, pas de pole position. Il améliore son chrono, mais ça ne suffit pas pour aller chercher une pole. Florent Golmini a avorté, je crois, cette tentative. Effectivement, Julien Lemoine aussi. Reste plus que François Gourel, mais je crois qu'il était déjà passé au niveau du chrono. Donc peut-être David L'Espèce pour... améliorer encore ce temps. Et d'ailleurs aussi, en parlant d'effet escamotable, au niveau des Françaises, c'est Matra qui l'avait fait sur la... Oh, joli, David. Oh, gros chrono. 43-19, ouais. Gros chrono, en effet, de David L'Espèce, qui sera le seul sous la minute 43 sur cette séance qualificative-ci. Donc oui, je disais, donc Matra, même à l'époque... sur la Murena et la Baguera avaient mis l'effet escamotable. C'est vrai. Et la Baguera avait une particularité sur l'ensemble de la voiture. Donc c'est une question pour les spectateurs. Saurez-vous retrouver la particularité de la Matra Baguera? Alors, hormis le fait qu'elle ait le même nom qu'un personnage du livre de la jungle, à la limite, mais ça, voilà, ça serait un petit peu réducteur, peut-être. À moins que ce soit ça. Non, c'est pas ça. C'est pas tout. Ça, on est d'accord. Cette voiture n'a pas été créée par Walt Disney non plus. Évidemment. Voilà. Non, c'est. Oui, elle avait une particularité. Et étant petit, j'ai eu la chance de monter dedans. Il est monté dans la Baguera. Je parle bien de la voiture. Là, encore une fois, je ne parle pas du personnage du livre de la jungle. Une pas fois de plus. On pas de ça ici. Attends. Pour avoir déjà vu une, non, j'ai pas, nous dit Anne Visceral. Il a déjà vu. Eh bien, la particularité de cette voiture. Alors. C'est que on pouvait être à deux passagers devant plus le conducteur. Il y avait trois places devant. C'est vrai, trois places. C'était une banquette à trois places sur la banquette avant.
point commun avec la Multipla. Ou d'ailleurs la Honda. Il y a eu une Honda aussi qui était commune avec la Multipla ces dernières années. Il me semble qu'il y avait aussi 3 places sur la banquette avant. Me semble-t-il. Mais j'ai plus le nom de l'Honda, je crois que c'était HRV ou un truc comme ça peut-être. Ah oui. Si j'ai de bonnes souvenances. Encore une fois, à vérifier. Et Mais oui. bien sûr, aussi, on pouvait retrouver comme motorisation le V6 PRV. Le fameux. Le fameux. Bon allez, en attendant, une course pour tout décider sur ce championnat. Et en Ces plus, deux à la tombée de la pilotes. nuit, c'est Eh sympa. oui, ça va être beau. Ça va être beau visuellement aussi. Et c'est ces deux hommes-là que vous avez en caméra qui vont se batailler pour ce titre. David Lespès en pôle, Cédric Morange à ses côtés sur la grille. Et le top départ qui est donné. Et j'ai l'impression que ça a mieux démarré pour. Bah pour les deux, en fait, ça a bien démarré. Mais peut-être pour Thibaut Cédric, Martinet. avantage pour Cédric. Ah, Cédric Morange, jouait en effet, qui est à l'intérieur. David Lespès qui est un peu sur l'XT. Et qui, du coup, Oui, se fait doubler. Ouh, derrière. David a patiné au départ. Ouais, et derrière, il y a eu du grabuge avec Teddy Vigneux qui est parti à la faute. David qui a perdu 2 places. Et oui, il retombe troisième, David Lespès, en effet. Et on rappelle, avec les points doublés, bah pour l'instant, je pense que ça peut offrir le titre à Cédric Morange, là, dans cette affaire. Faudra voir selon le barème de points, évidemment. Oui, je l'ai vu tout de suite. David Et il passe a en beaucoup tête! plus Il patiné. passe en tête, Thibaut. Thibaut Martin. Thibaut prend la tête. Et du coup, Cédric Morange qui se retrouve aux prises face à David Lespès, lui-même aux prises face à Carlo Gilles aussi, alias 474. Franck Ouais. Lassalle 5e, Flangon Mini 6, Julien Lemoine David qui est sous la 7. pression de Karl là. Et Cédric Morange qui veut tenter de repasser Attention tout de Cédric, suite, hein. faut pas forcer ici, hein. Il n'y a qu'une seule trajectoire ici, Ouais, il n'y en a pas deux. ça paraît effectivement assez compliqué. Alors bonne nouvelle, c'est que on n'a pas de lag ici sur le serveur. Et regardez Et David David qui attaque Espèce. Cédric par Et l'extérieur, mais non. ouh, Ouais, mais c'est sauf que pas Cédric s'est déporté. peu. Et du Et David en coup, profite. oh là là, c'est beau. Le duel entre les deux hommes est bien lancé là David a pris ici. l'avantage, ça y est. Ouais, il est passé. En effet, il est passé devant. Et Et oh, il Karl. rentre au Et stand. oh, Cédric qui rentre! Pourquoi il rentre? Pourquoi il rentre, Cédric? Cédric Morange qui rentre au stand, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a des crevaisons sur AMS? Non, je pense pas. Alors que Franck Lassalle, ici, Qui qui attaque freine très Karl, sauf qu'il va un peu tard. trop loin. Mais pourquoi tu as dit le dû repasser par la voie des stands, Cédric Morange? Là, je me pose la question quand même. Pourquoi? Là, il y a quelque chose qui m'a échappé, là, ou pour lequel je ne suis pas au courant. En tout cas, Thibaut Martinet devant David Lespès, Carlo Gilles, Franck Lassalle, Flangolmini, Julien Lemoine, Philippe Delvalet, François Gourel, Teddy Vigneux, Cédric Morange, Arnaud Rousseau et Michael Thomas. Ils ont le carburant d'activé ou pas? Mais oui, mais j'ai l'impression qu'il a fait un drive-through en fait. Ah, il aurait pris une pénalité. Il aurait volé le départ? Ah, peut-être. Parce que je Parce vois que pas ce que vu ça peut comment. être. Oh là là, le Oh crash! Oh, le crash là, ici! Oh là là! Avec Teddy Vigneux et François Gourel, qui est en marche arrière. Ouais. Ouais, gros incident là, au cœur du peloton. Là, Arnaud Ah, Rousseau ce sur que je Teddy me Vigneux, disais, ça passe. je me disais, Cédric avait pris un très très bon départ aussi. Mais c'est vrai que Ben oui. David avait patiné, donc pour moi c'était bon, mais. Alors Attends, peut-être un départ volé. j'ai pas bien vu avec la caméra embarquée hein, qu'on vous proposait sur la gauche de l'écran. Je n'ai pas bien pu percevoir s'il y avait une information de pénalité. Mais Et là, Arnaud qui vient de passer sur Philippe. Arnaud Rousseau qui est passé devant Philippe Delvalier en effet. Et Mickaël Thomas face à Teddy Vigneux. Ça reste devant pour Teddy pour l'instant. Un peu large là pour Cédric. Ouais, mais qui là doit avoir quand même un peu les nerfs, je pense, peut-être, hein, de cette Ah oui. pénalité.
Parce que du coup, il est 9e. Ah bah, il est retombé 9e, donc là, clairement, bah, ça assure le titre à David Lespès, très clairement. Il vient de remonter 8e, il a passé Philippe. Ouais, il fallait en effet devant Philippe Desvallées, pardonnez-moi. N'hésitez pas Enfin, à il remonte sur Julia. Encore une fois, n'hésitez pas à interagir sur le chat. Je vous rappelle nos réseaux sociaux une fois de plus pour ceux qui nous suivent sur le replay ou qui nous rejoignent sur le live. Facebook, Insta, toute l'actu en temps réel, plus des bonus inside exclusifs en story. YouTube pour les replays et Twitch pour les lives. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à sub. Je vous rappelle, sub gratuit pour ceux qui ont Prime, qui ont une petite couronne devant leur pseudo pour soutenir la chaîne. Badge d'abonné, emoji exclusif, retransmission en replay exclusif en avant-première, avant la mise en ligne sur YouTube. Et puis aussi, surtout, eh bien, vous avez la retransmission sans coupure publicitaire. Pour l'instant, le plus rapide en piste, bah, c'est David, il est en 44,6. Hein. Ouais, en effet, confirme sa bonne performance chronométrée en qualification. Ouais, c'est vrai que Morange, bah oui, qui est à l'attaque, hein. Forcément, il veut se refaire. Un petit blocage de roue là à l'entrée de la chicane. Ça va quand même être difficile, je pense, pour espérer pouvoir recoller. Donc on a un groupe là ici avec Mickaël Thomas, avec Philippe Delvalle et avec Teddy Vigneux. C'est passé pour Teddy Vigneux. Philippe. Ah, c'était dit. Ah, là c'était dit, ouais, en effet. D'accord. Ouais. On rappelle aussi que les livrées ne sont pas celles qu'ont les pilotes habituellement sur le Voilà, ouais, championnat, c'est ça. puisque pour les besoins de. Enfin, pour faire cette retransmission, nous sommes en déplacement. Nous sommes en Alsace pour le coup, sur le PC de notre cher Jérémy Fraouli, hein, consultant sur la chaîne, qu'on remercie pour nous laisser le soin d'utiliser son matériel. Et donc, bah, lui, il a modé un tout petit peu Automobilista. Donc, du coup, il a des livrées qui peuvent être différentes de celles qu'avaient les pilotes habituellement dans le championnat. Attention, Teddy Vigneux sur Philippe Delvalle. Ça reste devant pour le pilote C'était chaud là, il y a eu belge. un blocage du roue. On retrouve ici Franck Lassalle face à Florian Guelmini. Bataille pour la 4e et 5e position. Entre les deux équipiers de la Blue Live Racing Team, la Bort. Et toujours Teddy. Non, pas Teddy, mais Thibaut Martinet en tête Oui. pour l'instant de cette course. Devant David, à peine à 7 dixièmes, hein, donc rien n'est fait. Ouais, écart très serré en effet entre les deux. C'est pas. Ça va batailler, ça c'est clair et net. Et puis ils ont fait l'écart déjà sur Karl qui a 4 secondes, presque 5 même. Écart assez important, en effet. David qui se dit je dois assurer, pas prendre de risques en plus. Donc contrairement à Cédric qui a tout à perdre. Ouais, et qui a peut-être déjà tout perdu à cause de cette Eh oui. pénalité, possiblement. C'est ça aussi qu'il faut. Là, il est déjà à 20 secondes du leader, donc. Ça va être difficile, hein. Ça va être très difficile. Et Thibaut là, qui a pris le meilleur tour en course, une Ouais, 44,5. en effet. Bon, ça, amélioration, en effet, de sa part. David dans 44,7, les deux sont dans la même seconde. Ouais, sur un rythme commun. Et Cédric qui revient, Cédric branche sur Arnaud Rousseau. Peut-être vous glisser la caméra, voilà, ici de Cédric Morange pendant ce temps-là. Vous voyez. Il aperçoit un. Hein. Oui, en glisse dans le virage. Toujours Hop là, un peu trop large un peu d'ailleurs trop ici. large. Juste avant ce petit coude ici qu'on vient de passer. Allez, ça arrive dans la longue courbe à gauche. Ça va remonter sur un double droit, puis la chicane. Et encore en glisse ici. Il est toujours en glisse, Cédric. Ouais, c'est assez impressionnant en effet. Ce qu'il nous réalise. C'est beau à voir, mais c'est aussi une perte de temps. Hein. Bah oui, mais s'il est plus à l'aise comme ça, peut-être que cette entre guillemets, ce qu'on considère comme perte de temps, n'en est peut-être pas une si énorme que cela en fait. Elle est là l'interrogation, en tout cas la question qui peut être posée.
Alors que devant, il y a Carlo Gilles, Arnaud Rousseau, Julien Lemoine. Pas très loin devant, Cédric Morange. Là, ici, on les voit là tous les quatre. Et Franck Lassalle est passé quatrième, au fait. Hein. Non. Et... Ben oui, mais... Oui, oui. Il y a... Il est passé devant Julien. Hein. Mais il était déjà devant. C'est Carl qui a eu un problème. Ouais, bah oui, Carlo Gilles, du coup. Bah oui, qui se retrouve dans le groupe Julien Lemoine, Arnaud Rousseau et Cédric Morange. Il a perdu 3 places. Oui, il a tourné en 1:51.3 au tour précédent. Il a dû commettre une erreur. Ouais, c'est Florian qui est 3ème. Bah oui, Florian Golmini 3ème, Franck Lassalle 4. Et là, Carlo Gilles, un peu en difficulté. Un peu large. Large ici. Sous la menace, mais il tient sur Arnaud. Il est sous sa menace, mais il tient pour l'instant, en effet. Une bataille à 4, là, attention. Oh là là. Ouais. Ça se décale dans tous les sens. Ah. Ouh là là, la trajectoire. C'est chaud, hein. Là, c'est très très chaud. Et pour l'instant, un de passé pour Cédric Morange devant Arnaud Rousseau. Ouais. Ouh, maintenant, le contact, il y a Julien Lemoine. Et Carlo Gilles qui s'est sorti à nouveau, puisqu'il est retombé derrière Arnaud Rousseau. Oui, il est retombé 8ème. Donc du coup... Et Cédric qui... Il n'y a plus que Julien devant, oui, en effet. Est-ce qu'il va jouer l'esprit d'équipe? Qui n'est pas forcément existant. Ils ont la même livrée certes, mais il n'y a pas de notion de team spirit. Hein. Là, entre les deux, clairement, on ne s'y trompe pas. Ça allait un peu au large pour Arnaud à la sortie du virage, deux roues dans la terre. Il va y aller, il va tenter la manœuvre. Oui, il plonge. Et peut-être qu'Arnaud Rousseau va vouloir faire pareil en suivant Cédric Morange. Non, ça n'a pas suffi pour Arnaud. Non, c'est pas passé. Mais par contre, pour Cédric Morange, c'est passé. Et quoique pour Arnaud Rousseau, c'est pas fini. C'est pas fini. Et ben voilà, il est passé aussi. Il y est parvenu. Donc Cédric est remonté 5ème, il a 21 secondes du leader. Ça va être très difficile. Ça va être très 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 difficile pour Cédric Morange pour espérer. Parce que son dernier tour 46-580 et devant ça tourne en 45-0-45-7. Bah oui, voilà, donc déjà là il y a une différence assez forte. Et David qui se maintient toujours entre 5 dixièmes et 1 seconde. C'est ça. L'écart qui reste assez stable entre les deux. Mais toujours à l'avantage du pilote de la TRC pour l'instant, qui est Thibaut Martinet. Voilà, David, il est juste dans l'assurance. Attention à ne pas se faire piger sur un faux rythme. C'est là où on commet le plus d'erreurs, surtout. C'est ça, hein. Et Franck Lassalle qui est passé devant Florent Golmini aussi, hein, pendant ce temps-là pour la troisième position. Oui. On n'avait pas signalé, mais il y a eu inversion entre les deux. Entre les deux équipiers Blue Live Racing Team. Et David plus rapide de 6 dixièmes dans le dernier tour encore. Il revient. Mais pour l'instant, revenir certes, c'est une chose. Et là, il tourne beaucoup plus court que Thibaut. En effet, il tourne plus fin. Ça montre que Thibaut est un peu plus à l'attaque, il freine un peu plus tard. Donc la voiture se déporte, là on le voit ça, encore. Ouais. Pas la même trajectoire. David est beaucoup, beaucoup plus à l'intérieur. Et une concentration extrême aussi, vous remarquez via... Mais toujours. Via la caméra embarquée exclusive qu'on vous propose. Pour vous les spectateurs et abonnés. Et là on le voit sur une caméra capot, Thibaut est complètement en détresse en sortie de virage. Il va bien chercher la corde. Et là on le voit tout de suite. Hein. Ouais. Grosse glissade pour Il est large. À la sortie de cette section sinueuse. La partie la plus technique du tracé. On en parlait tout à l'heure, effectivement.
Et là, c'est le fameux dernier virage où Villeneuve avait dépassé Schumacher par l'extérieur en 96. Absolument. Mais là, est-ce qu'il va y avoir un dépassement entre David Lespès et Thibaut Martinet? Non. Non, il y a un dixième d'écart sur le tour. On était tout près, parce que par choc contre par choc, au bout d'un moment. Et Cédric est dans le rythme des leaders en 45-2, mais 19 secondes d'écart. Hein. Ouais, ça, à moins que les deux de. Enfin, que tous les pilotes, même étant devant lui, soient plus lents, ça va être difficile Et de remonter. 44 pour Cédric. Et. Le dernier Ouh! tour. Ah oui! Ah oui, là par contre, ça parle un peu plus en effet. Et 44-9 pour Franck. Ouais, Franck Lassalle aussi qui. Petit à petit, recolle aussi au duo de tête. Ben oui, à force de batailler, ça perd du temps aussi, forcément. Ah bon, Cédric, 19 secondes en un quart d'heure, ça va être compliqué. C'est de l'ordre du difficilement envisageable, en effet. Carlo Gilles et Arnaud Rousseau aussi, ils sont pas très loin l'un de l'autre. Mais sinon, la bataille, elle se concentre Devant. essentiellement là où on se trouve actuellement, entre David Lespès et Thibaut Martinet. En top du dernier secteur. Ouais, David là un petit peu en glisse à l'entrée du virage. Il a perdu un peu de temps. On voit que David ne prend vraiment pas de risque. Il assure le résultat. Ouais, c'est ça. Hein. Va tranquillement. Donc là, les derniers chronos 45-5, 45-9. On va surveiller les chronos de Cédric, qui, au tour précédent, était en 44-480. C'est ça. 45-0, tout pile. Ah oui, en effet. Il y a du mieux. Et pour l'instant, bah, c'est lui le plus rapide sur le dernier tour. Ah bah voilà. La remontée qui se fait vraiment petit à petit. Ça Pardon, menuise, oui, se stagne. réduit ou stagne, oui, voilà. Stagne. Voilà, stagne dans ce cas-là, effectivement. J'arrivais pas à dire le mot. Ouais, c'était difficile. Ouh, David! Ouh, pop, Ouais, pop, 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 David. David l'espèce là qui fait une petite erreur. Ouais, Hop pour David. là, Et c'est attention. ce que je disais tout à l'heure, être sur un faux Ouf, rythme, ben c'est pas bon pour voilà. la course au fond. Ben, la preuve en effet, bien vu. Attention, attention à ne pas que cela se répète de trop, naturellement. C'est bien de rester derrière comme ça pour assurer, mais à force, c'est pas son pilotage habituel. Il se met sur un faux rythme. Et ça se déconcentre. Et ben voilà, oui, le résultat, il est là fatalement. Arnaud Rousseau, Carlo Gilles, bataille pour la 6e, 7e place pour l'instant qu'on suit. Alors Benjamin Saget, donc il a été décidé que le résultat de la première course ne comptait pas et que les points sont doublés pour celle-là. Voilà, donc une seule course dans la soirée, la deuxième, donc, et sera la seule et unique. Et il y aura double attribution de points, du coup. Enfin, les points sont doublés. Donc, tout simplement, ouais, pour ceux qui arriveraient en cours de route pour le live, pour ceux qui sont sur le replay, bah vous voyez qu'une seule des deux courses, hein, ce qui est logique. On va Oui. pas vous proposer la première qui n'a pas été validée, Et qui était full bug. qui était quand même très très buggée, effectivement. Problème lié au serveur dédié. Oups là, attention, Arnaud Rousseau, Ouais, qui. qui l'a bien récupéré, mais ça a permis à Carlo Gilles de passer. Cette petite Bah, en fait, erreur. je pense qu'il a remis les gaz avec les retournées. Et avec ces voitures-là, bah, pas d'antipatinage et compagnie, bah, ça pardonne pas. Ah bah là, oui, c'est direct au placanement Donc c'est bonne des route. roues droites et progressivement. Absolument. C'est absolument ça, en effet. Ah.
du coup, on est en train de revenir devant pour David sur Thibaut Martinet. Oui, David qui avait perdu 2 secondes suite à sa sortie au tour précédent et qui a repris une seconde pleine déjà. Ouais, c'est pour dire hein, quand même le rythme qu'il a. Ouais, le regret de ne pas avoir pu être présent, nous dit Benjamin Saget, mais il a été là durant ce championnat quand même. On a l'occasion de le voir à l'œuvre. Et oui, donc, dernier tour, regarde. Ah oui, 45-1. 45-1 pour David. Une seconde pleine de reprise. Donc. Derrière, attention parce que Franck Lassalle aussi commence à se montrer un tout petit peu. À distance, certes, mais il se montre. Et puis, Florent Golmini se fait rattraper aussi par Cédric Morange. Mais bon. C'est la. Possiblement seule position de mieux qui pourrait récupérer, je pense. Parce que l'écart ne diminue pas, il reste à 19 secondes. Il reste quand même important. Et ben les 19 secondes, c'est le temps de la traversée de la pit lane. Malheureusement. Bah ouais, c'est ça. Hein. C'est ce drive-through qui s'est pris dès le premier tour. En tout cas, sans doute pour Jumpstart, c'est ce qu'on suppose. On pense, oui. On aura peut-être l'information par le biais de Cédric juste en après-course. Et ça, c'est la pression de la bataille pour le titre. On croit partir au bon moment et au final, ça a été Trop tôt. Trop tôt, c'est pas à temps. C'est ça qu'il faut se dire aussi dans ces cas-là. Ah, ça m'est arrivé aussi par le passé sur du F1 ou même PC2 avec des départs arrêtés. Hein. Tu crois partir au bon moment et c'est un dixième trop tôt. Alors là, les conséquences peuvent être assez fâcheuses. Et David, 45-500 tout pile. Thibaut, 45-980. Et Franck Lassalle derrière. Qui a fait 45-020. Carpine seconde aussi. Par rapport à Thibaut, pratiquement une seconde. Oui, par rapport à David, plus 5 dixièmes, on va dire. Mais en effet, ça se rapproche petit à petit. On a toujours Carlo Gilles, Arnaud Rousseau aussi, un 6e et 7e qui se bataille. Petits appels de phare de. Thibaut Martinet ! Oh, la crash avec Philippe ! Le crash avec Philippe ! Mais qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? David l'espèce qui a été pris dans cet accident ? Oh là 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 ! Oh pop 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 ! Là, il y a eu quelque chose qu'on n'a pas pu voir. Il revenait déjà sur un retardataire ? Apparemment, oui. Apparemment, sur Philippe Delvalle ou Philippe qui a eu un problème, peut-être. Parce que là, il bouge plus. On voit David là qui est pas serein. Ouais, et qui est assez agacé, je pense, de la situation. Oui. Alors pour l'instant, il est toujours devant Cédric. Oui, ça ne change rien par rapport au titre potentiel. Hein. Ça, oui, mais par contre, dans sa lutte pour à espérer chercher la victoire, bah là, du coup, ça change les affaires. Il est reparti, Philippe. Il est reparti. Attention, oui. Attention. Avec la voiture de Julien Lemoine qui arrivait à pleine vitesse. Là, le conseil pour David, c'est. Reste calme, ne pas s'énerver, assurer et finir. Ouais, effectivement, là le gros coup de chaud là qu'a eu David. Mais là, il va falloir qu'on comprenne ce qui s'est passé, parce que là, c'est pas normal. Là, c'est terminé. C'est terminé pour Philippe Delvalle. Abandon. Et Franck qui revient sur Thibaut aussi à moins d'une seconde. Et bah oui, du coup Franck Lassalle, bah oui, forcément ça fait le rapprochement en tête, hein, cette histoire. Forcément, fallait s'y attendre. Et on est à 6 minutes 15 de l'arrivée de cette deuxième course de la soirée. Et Cédric va peut-être pouvoir aller chercher la quatrième place, mais ce sera tout. Ah bah c'est tout ce qu'il pourra faire.
À mon humble avis, il pourra difficilement faire plus ou mieux. Allez, la bataille entre Franck Lassalle et Thibaut. Et eux, ils vont pas se faire de cadeaux. Hein. C'est juste la victoire d'une course qui se joue. Il n'y a pas de pression pour le titre. Tendu cette fin d'épreuve ici à Estoril très, très pour cette tendu. fin de championnat. Vous suivez en direct sur notre chaîne une fois de plus. Et on a vu la partie du dernier virage, Thibaut s'est mis tout de suite tout à droite de la piste pour couper l'aspiration. Ouh, Thibaut qui a failli couper son freinage là. Là sur le vibreur là, c'était très 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 limite hein, quand même. Elle a dansé. Et David remonte, il a repris 2 secondes déjà. Hein. Eh ben oui, il est plus qu'à 3 secondes 7. Et comme... regarde les chronos du dernier tour. 41 pour Thibaut, 46-0 pour Franck et 45-2 pour David. Donc au final, peut-être pas eu tant de dégâts que ça, hein, malgré l'incident. Ça semble. Et Cédric qui est dans les chronos de David aussi également. Et il est passé, il est passé devant Florent Balmini. Franck Lassalle, attention quand même, là ici face à Thibaut Martinet, ça peut faire les affaires de David L'Espèce, hein. Forcément, ces batailles-là devant. 3 secondes, plus que 3 secondes pour David. Vraiment tendu la fin de course là. Tendu et de l'attaque. Ça aussi. Il reste 3 minutes 40. Il va rester grosso modo. Et ben ça va faire 2 tours. 2 tours, ouais, pratiquement. 2 tours. Ouais. Parce qu'ils vont passer la ligne en dessous des 3.30. Avec une 45 en moyenne. Ouais, ça va passer. Ah, 3 tours, non, 3 tours. Ça devrait faire 3 tours. Non, ça va faire 2, je pense. À mon avis, ça va faire 2 tours. Attention devant la voiture de Michael Thomas qui va se présenter au leader. Évidemment, les drapeaux bleus à ne pas négliger pour les pilotes concernés. Ouais. Surtout que là, ça joue une victoire. Ouh, Franck Lassalle. Oh, qui la perd. Oh, Franck, il nous perd. Et du coup, David, David prend une position, mais qui a encore eu affaire à une frayeur hein, quand même. Ah ouais. Quand même 2 fois, hein, qui voit peut-être son rythme cardiaque un petit peu s'accélérer avec ses sorties. Mais là, Franck Lassalle, qui a, bah là, pour la victoire, c'est foutu. À moins que sur la fin il se passe encore quelque chose, mais là ça commencera à m'étonner assez fortement. C'est très gros. Hein. Okay, hier soir, moi j'ai vu une dinguerie sur F1 aussi, donc je serais pas étonné. Hein. Tout peut se passer de toute façon. Tant que la ligne n'est pas franchie. Ah, ça c'est sûr. On l'a vu avec Toyota au moins, malheureusement. Ah bah, 23h56, elle s'en rappelle très bien. Hein. Et David est revenu qu'à une seconde. Eh oui, il est à. Bah oui, il est à 8 dixièmes maintenant même. Ouais ouais. Oh là là, il est en train de revenir très très fort. Il est en train de revenir oui, très 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 fort. Chrono. Oh là là. Ah ouais là. La jonction est quasiment on va voir faite. Tour, ce que ça va faire. Et ça va être le dernier. Ce tour sera le dernier de cette saison. Le dernier de ce championnat. David L'Espèce pour l'instant. Ah oui, 46, une contre 48. Oh bah oui, là, oui. Clairement, il y a un gap énorme. Hein. Il y a un gap assez énorme. Est-ce qu'il va tenter quelque chose dans le dernier tour ou juste assurer? Là est toute la question. Ouh. Il y va? Non, il y va pas. Ah non, j'ai cru. Ouais, t'as un petit décalage, je pense, mon cher Tony. Ouh, David! Ouh, David! Oh, David, qu'est-ce que tu fais? Il a touché. Aïe, aïe, aïe. Il a touché le rail. Du coup, Franck Lassalle qui va repasser.
Ah ouais, là, oh Attention à là toi, là. parce que là, du coup. Eh, Cédric Morange, je reviens à moins de 5 secondes. Ah Ouais. ouais, et là, là, oui, effectivement. David qui est énervé. Bah oui, forcément. Il est assez Et là. agacé de la situation, mais il faut pas être agacé, il faut se rester focus jusqu'au bout parce que là, C'est le dernier tour. c'est le dernier coup d'effort à donner pour finir cette saison. Et Thibaut Martinet, Qui va l'emporter. ouais, qui va aller en effet s'imposer ici à Estoril donc. Donc bah, avoir les points de sa victoire bah, doublés forcément puisque c'est double enfin les points sont doublés ce soir pour cette course finale. Donc 70 points. Exactement. Et le voici dans la dernière ligne droite. Thibaut Martinet, donc le pilote de la TRC, qui va aller s'imposer. C'est fait. C'est fait. Victoire pour Thibaut Martinet. La deuxième place qui va revenir à Franck Lassalle. Et la Et la troisième troisième pour celui qui sera titré champion, David Lespès. C'est fait, il est champion M1 Procar. Cédric Morange qui termine quatrième ensuite. Que de regrets pour Cédric. Ah oui, c'est sûr. Les deux nous ont fait une belle saison, ont bien bataillé, quoi qu'il arrive. Florent Golmini termine 5e, 6e place pour Carlos Gilles, la 7e pour Arnaud Rousseau, la 8e pour Teddy Vigneault. Julien Lemoine va terminer de son côté 9e, 10e place pour François Gourel, oui, voilà, je dis bien. Et puis donc, Mickaël Thomas, lui, 11e. Voilà, bah oui, on va aller, boing, voilà. Péter un peu la voiture. Et pendant ce temps-là, bah, ça fait quelques amusements, quelques donuts, voilà. C'est la C'est la fin de fête. saison, ça s'amuse. Ça prend du plaisir, ça fait le fun. Et là donc le titré champion. Pendant que ça discute déjà pour Pour Cédric Morange, Cédric. ça débriefe la course. Ah, Teddy Vigneault s'est fait 8e. 9e donc Julien Lemoine et puis donc 10e ce sera François Gourel. Voilà, c'est fait pour Julien et ça va être fait pour François Gourel aussi. Une belle saison en tout cas qu'on aura vécue. On espère que vous l'aurez apprécié tout autant que nous, vous aussi les spectateurs et abonnés. Et voilà. Quelle course. Ah bah oui. Donc voilà les résultats. Donc Thibaut Martinet vainqueur devant Franck Lassalle, David Lespès, Cédric Morange, Florent Golmini, Carlos Gilles, Arnaud Rousseau, Teddy Vigneault, Julien Lemoine et François Gourel. Duquel faut pas oublier Mickaël Thomas qui a terminé 11e et puis Philippe Delvalley qui lui a été contraint à l'abandon. Malheureusement dans cette épreuve. En tout cas, une course qui aurait été quand même très animée, agitée, hein, mon cher Tony, pour cette finalité de saison. Franchement, du régal, hein, je sais pas de ton côté. Ah bah là je viens de revenir parce que mon téléphone avait décidé de faire une distance de tout seul donc Ah, bah, de toute façon, on va pas tarder à se quitter, je te rassure tout de suite. Donc, du coup, voilà, mais. Belle course de vécu, hein. C'était sympa quand même, tout ouais. ça. Très belle course de la surprise du combat. C'est ce qu'on aime voir. Ouais, c'est tout ce qu'on aime effectivement voir et c'est ce qu'on aura vu ce soir ici côté piste. On va aller retrouver les pilotes du coup dans un instant sur la TeamSpeak. Donc du coup bah, je vais en profiter pour te remercier Tony pour avoir Ouais, été il n'y a pas de souci. à mes côtés au niveau des commentaires ce soir. Et puis ben on se retrouve de toute façon prochainement sur la chaîne pour d'autres événements. Donc ben, merci à toi. Et puis Merci à ben on se toi. Ah retrouve ouais. très bientôt, très vite même dans très peu de temps. Ah bah la semaine prochaine. Ben voilà, c'est ça, avec les 24 heures de Motegi, C'est ça. effectivement, sur notre antenne. Ben, bonne soirée à toi, mon cher Tony, merci d'avoir été avec nous. Encore merci et merci à tous les spectateurs. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, salut à toi.
Voilà, du coup, eh bien, on va aller retrouver nos compères sur TeamSpeak d'ici quelques petits instants. Le temps qu'ils montent nous rejoindre pour le débrief d'après-course. En tout cas, oui, on aura avec une course, une fin de saison très, très, très agitée. Kakapuro qui nous dit ça me donne envie de regarder les prochaines courses. Bah là c'était la finale du championnat, mais par contre tu peux revisionner toutes les manches précédentes en VOD 24h sur 24, 7 jours sur 7 gratuitement, je vous rappelle, sur la page YouTube de la chaîne. Je vous remets les liens des réseaux sociaux de la chaîne pour revisionner tout ça. Il y a des nombreuses milliers, des milliers d'heures de replay à votre disposition avec toutes les retransmissions qu'on a pu faire sur toutes ces années sur la chaîne, je parle de manière globale, Facebook et Instagram pour toute l'actu, plus des bonus exclusifs en story lorsqu'on est sur des événements réels, puis Twitch bien sûr pour les lives. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à sub aussi bien sûr pour toujours nous soutenir. Et David est déjà là avec nous, il a pas traîné, il est déjà là, notre cher David. Eh oui, bonsoir. Voilà, bah bonsoir à toi. Enfin, rebonsoir, effectivement, puisque j'étais passé tout à l'heure, pour ceux qui nous ont suivis en live, David était venu nous informer sur la situation par rapport au serveur. Là, ici, donc, on te retrouve tout auréolé d'un énième titre, si je puis dire, un de plus à ton actif, au compteur. L'étagère commence à être bien fournie, bien remplie, là. Oh ouais, écoute, oui, ça fait plaisir, hein, un titre de plus, oui. Alors, il faudrait que je ressorte l'historique de la FFSCA, mais ouais, ça commence à faire pas mal. Le chiffre doit être quand même conséquent, quoi. Ouais, on est pas mal, sur un petit peu toutes les plateformes, en fait. En donc plus, c'est oui. Ça qui est cool. Donc ouais, je suis content, malgré une soirée quand même un petit peu compliquée, faut bien dire ce qui est. Mm-hmm. D'un côté les problèmes serveurs, et puis de l'autre côté un accrochage en fin de course avec une torpille belge Oui. Et puis après il y a eu une autre tentative d'attentat de Monsieur Lassalle, enfin bon voilà, on a eu la totale ce soir. Mais bon, au final voilà, c'est quand même une belle soirée, c'est un beau championnat qui se termine. Malheureusement, pas avec assez de pilotes. Hein. Encore une fois, ça, on est bien d'accord. Ouais. On le déplore toujours. Hein, ces problèmes de désertion de championnat. On a le problème tout le temps, et je pense que tout le monde a les mêmes problèmes. C'est très dommage. C'est très dommage. Je vois pas tellement comment on peut améliorer les choses, hein, parce que c'est difficile, très honnêtement, on fait déjà le maximum, donc voilà. Donc bon, c'est comme ça. Malgré tout, voilà, j'espère qu'on remettra le couvert pour 2023 sur AMS2. Je pense que notre ami Cédric a déjà plein d'idées sur AMS2, malgré les petites difficultés qu'il nous pose avec le multijoueur. Mais voilà, et ma foi, côté AMS2, je pense qu'aussi on se reverra assez rapidement pour notamment les 24 heures Forana. Oui, puisque effectivement il y a un événement qui est en toile de fond, en préparation. Hein. On va, si jamais Cédric passe dans le coin, venir nous rejoindre évidemment, et peut-être nous en dire un petit chou plus évidemment. On va peut-être aussi avoir le vainqueur aussi de cette course, hein, qui est Thibaut Martinet, peut-être avec nous. Pour l'instant, ils sont du côté des salles de course, hein, donc on va peut-être les laisser. Le temps de nous rejoindre, de respirer un bon coup aussi, bien sûr. Il s'est mis en salle d'attente. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il revient, je ne sais pas ce qu'il fait. Il nous fait du Claude François, presque, j'allais dire comme ça. Petit clin d'œil à Julien Lemoine, d'ailleurs, aussi, hein, qui apprécie l'artiste aussi, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je vous le dis. voilà, Cédric est avec nous. Voilà, on va déplacer Thibaut. Hello, hello. Voilà. Voilà, donc bonsoir Cédric. Il nous manque Franck, hein, on va le ramener ici, ouais, aussi. Voilà, il va arriver. Je pensais qu'il allait entendre rigoler. Voilà, ça y est, Franck est avec nous. Il est là aussi. Voilà, ah, pardon, tout le monde est en train de parler dans l'autre channel. Non, oui, oui, t'as été téléporté, effectivement, là, ici, directement auprès de nous, hein, pour
cette après-course. Donc on va commencer par Thibaut Mastinier, hein. Enfin, on a déjà commencé avec David, mais on va poursuivre avec toi, Thibaut, puisque tu as remporté cette course. Pas mal de batailles quand même durant celle-ci, hein. Il faut se dire les choses aussi. Et puis une victoire finale qui te ravit, je n'en doute pas un seul instant, là aussi. Ah bah ça oui, ravi, ça c'est sûr, je m'y attendais pas. David il était quand même vachement rapide et je l'ai senti, je sais pas, peut-être un peu fatigué là sur cette dernière course. D'accord. Attends, parce que quand j'appuie sur mon push tout doux, ça fait des trucs pas bizarres. D'entraînement déjà, pas d'entraînement du tout avant de venir. Claquette. Ouais, c'est ce qui m'a semblé, parce que j'ai senti la progression au fil de la soirée, surtout à la fin. Et ouais, sinon super course, même la première qui a été annulée, c'était quand même une belle course. Et j'ai pas bien compris ce qui s'est passé sur les derniers tours, David. J'ai pas vu qui c'était, qui nous a foutu un peu en l'air. C'est notre ami Philippe qui. Je sais pas ce qu'il a fait. Parce que je l'ai vu au loin dans l'herbe, ouais, je lui ai fait des appels de phare. J'ai senti qu'il avait ralenti et d'un coup il s'est retrouvé dans notre trajectoire. Il rend service, c'est tout. Ouais, il rend service. Au final, j'ai quand même beaucoup de chance parce que j'ai eu aucun dégât. Je suis reparti bien comme il faut. Après, il y a Véron qui m'a foutu la pression, qui s'est foutu en l'air. Après, j'ai ralenti un peu pour t'attendre, David, histoire qu'on fasse notre dernière bataille. C'était pour ça les appels de phare, je comprenais. Oui, c'était pour ça les appels de phare. Et après, je sais pas ce que t'as fait. T'as perdu une à deux secondes. Oui, je me suis raté. Voilà. Mais après, c'était fric. Ouais. Mais ouais, je suis bien content d'avoir gagné cette finale. Je crois que du coup, je remonte à la troisième place du championnat. Ça, oui, effectivement. Ça fait podium. Mais bon, Ayrton n'était pas là, donc c'était un peu free, quoi, on va dire. Mais ouais, super, super championnat, super course, c'était top. Ouais. Bon, à ce propos, les absents ont toujours tort. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, quelle belle phrase. Dans ce cas-là, Thibaut Martinet qui remporte cette manche finale et finit sur le podium de cette M1 Procar. On a également Franck Lassalle qui a fini sur le podium lui aussi à la deuxième position. Alors, quelle course aussi ? Ouais. Ouais, si on veut dire. Ouais. Après, je suis un peu déçu parce que je pense que j'avais le rythme pour être plus devant. Et puis, j'ai fait une boulette, j'ai me carré. Mais bon, j'arrive à revenir quand même sur les deux de devant. Donc, des regrets parce que je pense qu'on aurait pu faire s'amuser. Après, très, très, très difficile à doubler. Enfin, le combo, c'est derrière Thibaut, mais. J'arrive pas à trouver. C'est difficile avec cette voiture pour arriver à. Si tu freines trop tard, c'est vraiment trop tard. Raccélérer plus fort, c'est plus difficile. C'est vraiment compliqué à jouer. Bon. Mais quand même, un podium qui te satisfait et une saison. Oui. Là aussi, on finit bien l'année. Positif. Voilà. Bon, exactement. C'est le plus important là aussi, c'est avoir pris du plaisir. Oui, également. Complètement. Voilà. Bon, objectif rempli, on va dire quand même ainsi pour Franck, donc qui était sur ce podium aussi. Donc David, on en a discuté. Maintenant, il faut un gagnant et un vaincu sur ce championnat. Et c'est Cédric qui termine deuxième, Cédric Morange, vice-champion quand même. Hein. Quand même. Faut pas négliger non plus cela. Deuxième, une soirée qui s'est franchement compliquée pour toi. On a l'impression. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Le drive-thru. On a besoin de comprendre. Là, déjà. Pourquoi ce passage par les stands? Tu vois, tu parlais de vice-champion à propos de vice. Là, je me suis fait poser le pas, tu vois, au niveau du 1. Voilà, là j'ai un gros taraudage là, tu vois, qui m'est arrivé bien où il faut. Voilà. Et autant te dire que c'est pas un écrou de 10, hein. Mais bon, écoute, ouais, le drive-thru. Pour remettre les choses dans leur contexte, comme vous avez pu le constater, la première course au niveau connexion, c'était ultra calamiteux. Le serveur était en PLS, on ne sait pas pourquoi. Ça marchait pas. D'accord. Ça marchait pas. Donc, on décide d'annuler la première manche parce que c'était clairement injouable. Il y avait des voitures. Enfin, je pense que même la diff, ça devait pas être jojo. Ça c'est vu. Donc voilà. Donc à l'intercourse, on va chercher la servante Facom. David et Juju commencent à regarder le serveur. Ça allait pas. Suite à des courses, là, j'ai dû créer un serveur moi, parce qu'on peut le faire avec AMS. Donc j'ai dû hoster la partie en fait.
Et en fait, je ne sais pas d'où ce paramètre de drive-thru. Je me concentre pour pas être vulgaire, mais putain, j'ai envie que ça sorte, je te jure. Le paramètre de drive-thru, je ne sais pas d'où il arrive. Donc, premier virage, par prudence, on va dire, parce que j'avais pris un meilleur départ que David, j'étais à sa hauteur. J'ai dit, bon, je vais taper vraiment à l'intérieur. J'ai cuté, en fait, j'ai pris un cut. Et à partir de là, le jeu m'a donné, je ne sais pas, une poignée de secondes, mais genre pas beaucoup, tu vois, genre regarde, dans quelques secondes tu vas prendre un truc dans ton, tu vois, et en fait du coup bim, drive through, voilà. Donc j'ai inauguré le premier drive through de la saison. Donc à partir de là, je savais pertinemment que ça allait être super compliqué, et effectivement ça l'a été parce que le circuit est génial. Attention à piloter la BM là-dessus, c'est Ragnotti Magazine, bon, comme tout le reste de la saison d'ailleurs. Ça, on a pu l'apercevoir, oui, que tu glissais énormément avec cette voiture. Oui, en fait, c'est comme ça que tu arrives à aller vite. Hein. D'ailleurs, sur les deux manches, c'est la seule petite satisfaction que j'ai pour dire tu gagneras pas, mais quand même, regarde, t'as le meilleur temps autour. Voilà. Donc, ça permet d'aller vite et tout. Ça permet de bien flinguer tes pneus aussi. Donc, du coup, à la fin, tu te traînes comme une limace parce que à l'arrière gauche, j'étais sur la jante. Donc voilà. Bon, après, en redescendant tranquillement de la pression, David, je commence à le connaître, l'animal. À la régulière, je sais pertinemment que c'est compliqué. Même si à la fin, il a fait une connerie et j'ai fini juste derrière lui, histoire de dire coucou, tu l'auras pas. Mais ouais, tu vois, là, j'ai mes origines belges ressortent ce soir. Ah oui. Ah oui, quand même. D'accord. Là, un petit truc en quatre lettres là qui m'envahit. Voilà, mais. Juju sort de ce corps. Non, mais blague. Bah, Juju sort quatre lettres, hein, donc voilà. C'est... Oui, aussi, ouais. Bon. Non, c'était pas Juju. Mais c'était pas Juju. Non, ça commence par un S et ça finit par. Enfin, bon, bref. De toute façon, je savais qu'à la régulière, ça allait être compliqué et que voilà. Bon, c'est vrai qu'après, il y a eu les événements, le serveur en vrac, le drive-through, tout ça. Bon, c'était pas pour moi. Néanmoins, c'est quand même une saison plutôt cool où je finis toutes les courses déjà. Même s'il y a eu 2-3 difficultés, il y a eu des placards, il y a eu des trucs pas cool, mais bon. On sait, hein, c'est de la GT à l'ancienne, ça bagarre, ça tape, c'est viril, quoi. On n'est pas sur, voilà, ça fait partie de la course. Donc plutôt satisfait, même si quand tu es là, tu sais que tu peux jouer le titre, forcément tu t'y penses, hein, quand tu roules, hein, mais bon, comme l'a dit un grand philosophe palois qui est sur le channel, faut pas compter les œufs dans le cul de la poule. Alors celle-là, elle est magnifique. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la course. Et puis bon, franchement, de tout ce que j'ai pu faire en championnat, c'est mon meilleur résultat. C'est plutôt cool. Et puis surtout, on s'est amusé. Surtout, voilà, on s'est vraiment bien éclaté avec cette BM. Ça donne envie de continuer d'insister avec Automobilista, parce que cette simu, elle est vraiment cool. On s'est vraiment marré, donc je cache pas que je commence déjà à réfléchir pour l'année prochaine. Il y a également, on en avait parlé, mais pour les 24 heures Forana le 15 janvier, donc il y a un gros événement AMS qui se prépare. C'est un dimanche, ça va commencer en milieu d'après-midi, ça va se finir le soir. On va conduire que des grands-mères, que des GT, que des vieilles GT. Donc il y aura plein de choses. Il y aura la BM, hein, elle y sera, pour ceux qui ont envie de venir la goûter. Il y aura de la Porsche RSR, il y aura de la vieille DTM, il y aura de la GT1 et il y aura le soir de la Groupe C. Pour ceux qui aiment, qui aiment les choses velues. Parce que là, ouais, pour le coup, il y a vraiment du poil là. C'est des voitures qui sont vraiment très très sportives. De toute façon, c'est que du roots. Hein. Ce qui est bien, alors le truc, je pense, qui a fait qu'on s'est tous amusés, c'est que
Il n'y avait pas les histoires de setup ou de, tu vois, de trucs comme ça, même si c'est bien le setup, ça permet à ceux qui aiment bricoler d'y aller, tout ça. Mais là, on avait la même bagnole, le même setup tous, toute la saison, et ça s'est vraiment joué au volant. Et au final, c'est une formule, je trouve, qui marche bien parce que, bah parce que voilà, c'est, ça se passe sur la piste, ça se passe pas en coulisses, ça se passe pas au gars qui va tweaker le dernier truc et qui va trouver un réglage de la mort et compagnie. Ça permet aussi de... Bah de plus préparer sa course sur le pilotage et peut-être un peu moins sur le réglage. Et ça permet surtout à tout le monde de s'amuser. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'event des 24 heures Forana, on utilisera la même formule. Donc en fait, l'après-midi, ça va commencer à 16h jusqu'à 20h, je crois. On est en train de fignoler les derniers détails, hein, vous en saurez plus dans les prochains jours. Ce sera des courses sur la même formule qu'on a fait cette saison, c'est-à-dire une course avec une qualif de 10 minutes, une course de 30 minutes, setup fixe. Et ce sera quasiment du monotype à chaque fois, où il y aura très peu de choix sur les voitures, mais vraiment axé sur le fun. Et le soir, ce sera la course de groupe C, donc il y aura un petit break d'1 heure quand même pour que tout le monde aille manger un bout. Et il y aura une course de groupe C qui elle fera 60 minutes avec un arrêt au stand obligatoire. Et ce sera, je peux vous le dire, ce sera sur l'Interlagos 76 qu'on a fait à la manche précédente, là, celui qui fait 8 km. On a fait quelques tests. Ah ouais, putain, les groupes C là-dessus, mamma mia, c'est absolument jouissif. D'ailleurs, ça tourne 40 secondes plus vite qu'une M1 Pro Car. Hein. Ouais, ça passe très très fort. Et d'ailleurs, y a dans les groupes C, on a une nouvelle copine, hein, c'est la Corvette C3 GTB qui vient d'arriver. J'ai aperçu ça, effectivement. Ouais. Et bah, évidemment, j'ai été goûté. C'est un vrai régal. C'est un vrai régal. Enfin, toutes les groupes C sont géniales. Hein, toutes les vieilles bagnoles, en fait, dans AMS sont vraiment cool. Donc voilà. Donc, ce sera le 15 janvier. Venez. Venez, parce qu'on va beaucoup rigoler. On va passer de bons moments. C'est pour la bonne cause, surtout. Ouais. Invitez même. Une petite idée qui peut être cool, c'est vu qu'il y a pas mal de courses tout l'après-midi, ça peut être l'occasion pour certains pilotes de faire découvrir le sim racing à des copains. Donc si vous avez un copain de confiance, hein, que vous sentez mettre derrière votre setup, n'hésitez pas à le faire rouler, à lui faire goûter un petit peu à tout ça. Évidemment, le seul enjeu, c'est de s'amuser et de remplir la cagnotte, hein, parce qu'on a un record à battre, hein, mon cher Benji. Celui de l'an dernier, on a intérêt plutôt à l'exploser, hein, sinon je vais pas être content, et on va pas être content, et puis ça va chier si ça se fait pas, donc on compte sur vous. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il va se passer des choses, et pour l'an prochain, un championnat probablement un petit peu dans le même esprit, axé sur de la vieille GT. Je suis en train de voir, mais il y a des chances que ce soit avec des groupes C, justement, histoire que ce soit vraiment un truc assez brutal, quoi. Wally Wallou. Bon, bah, en tout cas, on verra tout cela. Déjà pour cet événement des 24 heures Forana, cette journée spéciale, en tout cas, AMS2 24 heures Forana, 15 janvier prochain, ce sera un dimanche. Voilà. Bah, pas d'excuses. Pas d'excuses, même s'il y a des mariages à Bamako. Non. Hein, vous venez plutôt pour participer ou pour assister. Voir les deux, évidemment. Voir les deux, oui. Qui sait, hein, ça, plus on est de fous, plus on rigole. Alors, absolument. On salue pendant ce temps-là, voilà, Krakenoken et Fanatic qui sont sur le chat. Tiens, on va peut-être essayer d'avoir Philippe aussi, parce que c'était son premier championnat aussi au sein de la fédération, tant qu'à faire. Philippe National. Ça pourrait être bien d'avoir son ressenti, son feedback. Lui qui a traîné son nouveau volant et son playsite récemment acquis aussi pour le coup ce soir. Alors, est-ce qu'il est là, notre cher Philippe? On va peut-être le déplacer. Voilà, je l'informe qu'on va le déplacer. Voilà, donc du coup, je le déplace dès à présent. Voilà, il est là, monsieur Philippe. Est-ce que il est là, notre cher Philippe? On l'entend pas. Oui, il est là. Il est là. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Alors, bon, là, je te nomme sous ton nom, évidemment, puisque sur ce championnat-là, tu étais sous le nom de Philippe Delvalle, évidemment. Ouais. Bon, voilà. Une saison qui se termine. Oui. Première expérience sur Automobilista dans un championnat. Oui. Comment cela se résume pour toi? Comment tu l'as vécu, cette saison? Moyen, voilà, je veux dire que j'ai pas été bon, j'ai pas été mauvais, je pense que je me suis battu tout le long de la saison. Bon, ce soir, c'était pas évident du tout pour moi parce que
j'avais mon nouveau playseat, le nouveau volant, j'avais pas la roue en main du tout, donc j'arrivais à rien du tout. Donc j'ai même changé la roue justement, et j'ai remis mon open wheel parce que je me sentais pas bien du tout avec le nouveau. Donc même en mettant l'ancien, j'étais mauvais, mais mauvais sur ce tracé, je n'y arrivais pas du tout. D'accord. Donc voilà, et je suis sorti deux, trois fois. Je crois que même j'ai pris un des premiers ou deuxième, je ne saurais pas Bah, dire on a vu, qui. t'as été dans un incident Oui, avec David et avec Thibaut aussi, qui étaient ben, les deux leaders. Donc, ouais, ben, désolé parce que j'ai perdu la voiture et j'arrivais pas à la récupérer en fait. Donc, et je suis parti en vrille, quoi, voilà, et j'ai percuté les deux premiers sans le faire exprès, hein, c'est vraiment involontaire. Mais non, ce soir, j'y étais vraiment pas, donc j'ai préféré arrêter et abandonner directement et me mettre sur le côté. Après, pour le reste du championnat, je trouve que je ne me suis pas trop mal débrouillé. Je crois que je dois finir 12e si je me souviens bien. Si ma place est confortée, je devrais être 12e. Donc je trouve que c'est pas mal, voilà, pour une première sur Automobilista et sous la bannière du FFSCA. Voilà, je trouve que c'est bien. Voilà, 12e, je suis content, voilà, je suis bien, puis j'ai kiffé, évidemment, vu que c'est des voitures historiques, hein, bon, voilà, des super tracés, à part celui-ci. Mais les autres étaient vraiment magnifiques, j'ai vraiment kiffé, les pilotes sont sympas, on s'est vraiment bien marré tout le long de la saison. Et merci aux organisateurs d'avoir pu organiser un championnat historique comme celui-ci, parce qu'on n'en a pas souvent. Et c'est C'est vrai. vrai qu'on devrait en avoir un peu plus en stream, parce que franchement, ça vaut le coup, quoi. Voilà, ça vaut le coup, aussi bien pour les voitures que pour les tracés. Ouais, et puis bah, ça permet d'avoir de bons souvenirs quand même, hein, mine de rien, de se Absolument, remémorer absolument. des époques formidables. Je pense que aussi bien David que Cédric, vous serez d'accord avec moi, parce que bah, évidemment, les voitures qu'on connaît d'aujourd'hui, c'est bien, mais se rappeler un petit peu le patrimoine du sport automobile, c'est quand même ultra ultra important de le conserver et de s'en souvenir justement par le biais même y compris de championnats comme celui-ci. Bah, oui, et surtout, bah, surtout d'en profiter de ce patrimoine, parce Oui. que bah, c'est vrai que bon, bah, tu sais qu'on a passé de très 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 longues heures à cette Corsa Competizione. Bon, c'est cool les GT3, mais c'est bardé d'électronique, c'est quand même un peu plus aseptisé à conduire, on va dire. Là, c'est vrai que les vieilles grand-mères comme ça, ouais, comme dit Benji, Benjamin Sager, fait vive les vieilles. Eh oui, vive les vieilles. Oui, parce que bah, l'un dans l'autre, c'est des voitures, oui, historiques qui sont le patrimoine du sport auto. Hein, et au-delà de ça, c'est des voitures qui offrent des sensations de conduite qui sont clairement extraordinaires. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment. Cette BMW M1 Procar, c'est un bonheur à piloter parce que ça part dans tous les sens. C'est à l'ancienne, il n'y a pas d'ABS, pas de traction contrôle, pas d'anti-patinage. Toi, ta bite et ton couteau, hein, si vous passez l'expression. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement organique à piloter. C'est vrai, c'est Et vrai. on retrouve ça d'ailleurs, on avait fait des. Bah, rappelle-toi, le premier Open avec la BMW 2002 Turbo aussi, où on s'était régalé, Absolument. sur le circuit d'Iracocha, là, où on avait eu quelques figures artistiques d'ailleurs de très haute volée. C'est vrai. On avait eu la Porsche RSR à Imola, avec le légendaire Chicken Slide de notre ami Jérémy Froli, qui nous avait fait la ligne droite sur le toit. Là, bah, cette saison, pareil, on a eu des moments incroyables. Hein. Il y en a qui ont fini sur le toit, il y en a qui ont, rappelle-toi, comment ça s'appelle, à Adélaïde, les roues, Oui. les pilotes qui ont perdu les roues, hein, Ah dans bah là. notre cracou national. Qui justement est sur le chat en train de dire on n'entend pas le Francky, on parle de Franck Lassalle en interview, par contre en course il fait que miauler. Ah bon. Alors moi Alors. je t'explique, hein, le jour où j'ai un chat qui miaule comme ça, j'achète une cage blindée parce que. Le chat, il prend la boîte de pâté, il l'ouvre avec les dents, tu sais, il te regarde dans les yeux et fait viens maintenant. Voilà, il est Ouais, vraiment bah ouais, c'est super ça. vénère le chat, hein, attention. Ah bah ouais, c'est clair. Bah Et oui, ça miaule, c'est pour ça, là, si là tu râles pas, tu râles quand?
Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ouais, c'est assez en effet important là en effet. Alors on a bah, voilà David qui a resub d'ailleurs. Merci pour le resub. 13e mois. Oh là là, dis donc là. Et ça y est, fait partie des piliers maintenant. Attention. Bah, écoute, c'est beau. C'est soutenir la chaîne comme on peut. Hein. C'est beau. La fidélité, c'est très très bien, effectivement. Salut ouais. Minimoy aussi, de la CRT qui est sur le chat aussi. Bon, ben bah, voilà. Hein, un petit peu. Bah, aussi, c'était bien aussi d'avoir quelque part les mots de notre cher Philippe, qui, vous le savez, régulièrement consultant sur la chaîne, mais qui l'a été de ouais. l'autre côté de la barrière, pour le coup. Ouais. Et sur ce championnat. Et bah, on te souhaite de te retrouver dans d'autres championnats à l'avenir, bah, évidemment, aussi, bah, le, bien bah, sûr. Bah, comme d'habitude, tous les jeudis sur la Caménard, hein, bon, évidemment. Et bon, évidemment, le fameux 24 heures de Motegi, où je oui. roulerai en solo. Ça aussi, hein, ce sera l'un de notre, enfin, l'un de nous, et même notre fil rouge un petit peu durant ces 24 heures de Motegi que vous vivrez les 17 et 18 décembre prochains. On en profite pour vous énoncer les rendez-vous, hein, justement de la chaîne encore pour la suite et la fin de ce mois de décembre. Vous voyez donc, eh ben, on se retrouvera déjà demain, toujours depuis l'Alsace, hein, pour le coup, dans les mêmes installations qu'aujourd'hui. Pour la Next Level Racing FRN Cup Series Fall 2022 du côté de Dover, donc course importante, course couperet, puisqu'à l'issue de celle-ci, on connaîtra le nom des 4 pilotes qui pourront prétendre au titre de champion pour la course qui se disputera la semaine d'après, que vous suivrez en direct bien sûr, Codif, Twitch et YouTube. Puis ensuite, après le live de demain, ben, on aura une longue pause jusqu'à lundi. Et le retour en Belgique pour la chaîne, mais aussi parce qu'il y aura le Grand Prix de Belgique du FARC by FCT Division 1 PC. 13e Grand Prix de la saison dès 21h15 lundi prochain. On n'oublie pas donc la finale de l'IFRN. Le GT3 Challenge de FFSA continue aussi à Donington pour l'avant-dernière manche de la saison le 15 décembre 21h. Et puis le lendemain, la finale à Watkins Glen du Dallarapé 217 saison 9 de Speed Racing France à Watkins Glen. Et puis, bah donc, on en parlait, le premier major des 24 heures Forana 2023, les 24 heures de Motegi, sans oublier, bien sûr, à la fin du mois. Et ça, je sais qu'il y en a ou combien qui ont noté cette date-là dans leur agenda, évidemment, parce que ça, c'est peut-être le rendez-vous le plus important de l'année. C'est le Best of Crash, évidemment, numéro 17. Ah, là, je ne suis pas là, je l'ai déjà dit. J'assiste mais Jérémy, donc voilà, on n'est pas là tous les deux. Ah oui, bien sûr, ouais, ça, je n'y crois voilà. pas un seul instant, je n'y crois pas. Non mais, aucun, non mais, de toute façon, c'est même pas la peine d'assister, aucun mot d'excuse ne sera accepté, de toute façon, tu devras être là, parce que les abonnés le demandent, surtout. Oui, mais c'est pas parce qu'ils le demandent qu'on sera là. La France, la France veut vous entendre. Exactement. Oui, mais moi, je m'en fous. Voilà. Et ça me rappelle une certaine scène dans Hibernatus. Voilà, je dis ça comme voilà, ça, avec le regretté que le pied plus. Aussi. Mais voilà. Non, mais on y sera, bien évidemment. Voilà. Bon, en tout cas. Quoi. On a pris du plaisir à vous proposer ce championnat sur la chaîne. Évidemment, on espère que bah, voilà, les pilotes ont pris du plaisir, ont pris leur pied avec cette MM Pro Car. J'espère que vous aussi, les spectateurs, vous avez apprécié tout autant que nous. Merci encore une fois à tous les pilotes, toutes les équipes qui ont préparé à ce championnat. Alors, je vais juste couper le micro de Philippe parce que là, j'entends. Je ne m'entends même plus parler, c'est pour dire. Voilà, merci Philippe. Désolé. C'est pour le confort de nos abonnés aussi, une fois de plus. Je le rappelle. Merci donc à tous les pilotes. Merci à l'organisation, encore une fois, pour la confiance accordée, les moyens techniques et de production de Benjix Motors pour assurer la retransmission de ce championnat cette saison dans toutes les conditions, hein, y compris celle d'aujourd'hui, un petit peu ajustée une fois de plus. Et puis, rendez-vous de toute façon très vite pour d'autres beaux événements, quoi qu'il en soit, avec donc cet événement AMS le 15 janvier, plus, on n'oublie pas. Les 24 heures de Bahreïn, bien sûr, début janvier, ça, rendez-vous là est pris aussi avec une très belle course et un très beau circuit bien redesigné comme il faut en termes de skin, c'est ce que je veux dire,
Tout à fait. Voilà, on en dit aidé pas par le studio directement. Aidé en plus de ça par Studio 397, en effet. Donc voilà, encore de belles choses qui se préparent pour la suite. Merci aussi à tous ceux qui se sont succédés aux commentaires à mes côtés durant cette saison. Merci à Tony qui était à mes côtés ce soir. Et puis ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à vous toutes et à tous, chers spectateurs, chers abonnés, et au nom des pilotes aussi ici présents, une excellente suite et fin de soirée. Et puis ben, rendez-vous très vite pour encore de bons moments de SimRacing, demain notamment du côté d'iRacing pour la NASCAR. Bonne soirée à tous et à très vite. Salut à tous, ciao, bye bye. Ciao, ciao. Salut. Salut.